C'est côté où m'a cherché défense, mais samedi où mon Dieu grand maître moi, c'est où même seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi. Frère Maxime, mes amis internautes, nous, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est toujours un plaisir pour nous capables d'entrer la caillou pour nous présenter une émission par là qui s'est un petit causé sur la vie saint. Joseph l'exact fait mémoire, il a célébré Sainte Marie. Sainte Marie, mais sous qui vocable, c'est sous vocable Notre-Dame de Lourdes. Lourdes qui est située en France et que la Vierge Marie, histoire rapportée, qui était parée au bon côté de demoiselle, qui c'est Sainte Bernadette de Soubirous. Ah ben, Sainte Bernadette, le 11 février 1858, la Vierge Marie Brel paraît, Brel découvrit la Vierge Marie, tandis que, je dévoué, bon, peut-être, mon lakaili, elle ramasse bois avec de l'autre amis, donc Brel remarqué, ben, de loin, Sainte Marie, dans l'espace côté grotte l'anye. Hein. Et puis, les gadeli, ah, les pattes qu'on n'en lit, par contre, qui est lié, par contre, qui s'est lié, les parler de l'apparition, ça comme quelque chose à quoi. C'est non ça que le bail. L'apparition qu'il a découvert, hein, monde que le théoué, mais ça le théoué. Il parle de encore dans dimanche 14 février. Et madame ça, grande dame ça, belle madame ça, la Vierge Marie, elle paraît encore. Il va le découvrir. Et là, qu'on est là, il pral partager expérience ça avec plusieurs monde qui était dans un premier temps pas capable de croire, mais à chaque fois que le pral déplacer pour aller dans l'espace grotte là, et bien tout le monde ça yo aller ensemble avec lui pour aller découvrir belle merveille ça. Et chaque fois que lui aller, la Vierge Marie paraît. Ce qui fait que déjà depuis 25 mars, la Vierge Marie te paraît pratiquement n'importe 9 fois devant elle. Il est allé dans l'espace ça pour t'aller creuser, t'aller fouiller tout. Et là, il y a une grosse source de l'eau qui est pété en bas dans l'espace côté de paraît là. Et dans une grosse source de l'eau, ça, un peu de monde va le servir avec lui, il y a un peu de monde qui va jouer une guérison dans la source. Donc, la Vierge Marie continue à paraître à Sainte Bernadette. Jusqu'à ce que, par la suite, il dit la Vierge, enfin, Sainte Bernadette, que non, c'est l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. C'est ça que le Bréal dit, mais Sainte Bernadette, mais comment que les relais? Sainte Bernadette, Bréal relais, non ça. D'ailleurs, Sainte Bernadette, pas tellement bon l'école, pas tellement bon belle mémoire, elle pas capable de capter, non, vraiment. Mais heureusement, bon, je fais la grâce, et Bréal capter. Bréal, ça a voulu même son paquet de bagailles. Je suis l'Immaculée Conception, mais par la grâce de Dieu, Bréal arrive à capter. Mais, en pile gros autorité, en pile gros chef, en chape, dans la zone, il n'y a pas de vie quoi. Et, après, Sainte Bernadette, d'ailleurs, je pral convoquer lui, je capable de faire le joindre médecin. Je dis, est-ce que c'est pas un problème mental, Sainte Bernadette, qui fait que la PDD, la Vierge Marie paraît devant, etc., les Immaculée Conception. Donc, je fais le docteur. Il fait plusieurs enquêtes, puis on m'a regardé l'état santé mental lui. Et je vois que le pas aucun trouble, effectivement, ça le voit aussi ça. Et d'ailleurs, la Vierge Marie, avec sous l'eau, ça qui pété, commence à faire des miracles. Et je vous pose à même, il a passé devant le gros tour qui était dans la ville. Il y a n'importe 8000 personnes qui sont ensemble avec lui. Donc, on dit que chaque fois, Sainte Bernadette est déplacée et puis il suit l'instruction de la Vierge Marie Bali. D'ailleurs, c'est la Vierge Marie qui a l'instruction pour le causer, pour le fouiller, pour être capable de gagner de l'eau, ça, qui a été sous l'eau, ça, qui a l'occasion de plusieurs guérisons. Mais chaque fois que Sainte Bernadette est déplacée, en pile full, en pile monde, il y a full monde ensemble avec lui. Puis capable de merveille, puis capable de miracle ça. Parce que là, il est arrivé bon côté donc évêque, bon côté évêque zone, qui lui-même pral mené une enquête. Il a mené une enquête pendant 3 ans et demi pour capable garder est-ce que ça la Vierge Marie, enfin ça Sainte Bernadette dit de la Vierge Marie, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vrai. Donc son gros enquête que mon Seigneur Laurence t'a pral mettait, mais t'a pral fait
pour capable connaître est-ce que c'est vrai la Vierge Marie paraît à Sainte Bernadette sous vocable ça l'Immaculée Conception. Et on dit enquête révélée. Oui, effectivement. Donc la Vierge Marie paraît qui vient faire que tu as gagné en janvier et évêque là tu as sorti yon lettre pastorale. Yon mandement que vous avez dans le moment ça, mais qu'on y a utilisé mot, enfin, lettre pastorale, qui ça que lié, c'est yon lettre, des indications que yon évêque dans le diocèse li, capable de sa fidèle li, qui cap concerné non seulement le diocèse, qui cap concerné également plusieurs diocèses. Et, bon, mandement sorti, vous dit que effectivement, la Vierge Marie paraît à Sainte-Bernadette-sous-Béou, donc, elle est. Effectivement, l'Immaculée Conception, son dogme était déjà paraît 4 ans avant que la Vierge Marie paraît. Et donc, pour dire que oh oui, effectivement, la Vierge Marie il paraît, les dames ça qui paraît à Sainte Bernadette, elle parle l'autre monde que la Vierge Marie. Et tu as parlé de Napoléon III, à l'époque qui t'a prégné, qui t'a demandé, mais pas de problème, ouvrez la grotte là tout le monde, et tout le monde qui besoin d'aller dans la grotte là, peut-être la prière, etc. Donc capable aller parce que tu fermé grotte là en époque tu fermé espace là donc sous loi périmètre là tu t'es fermé là en époque pour pas troubler l'autre public parce que tout le monde est toujours allé là mais Napoléon III va le dire donc quitte tout le monde entrer quitte tout le monde aller chez les pour capable adorer bon Dieu en parlant remise Sainte Vierge Marie et en pile monde va le jeune guérison jeune dit et journée jeudi c'était des milliers de pèlerins qui visitaient espace ça Lourdes et grotte ça près de Massa Belle pour que tout le monde capable vin dit bon Dieu merci et vin vénérer la Vierge Marie. Et je dis hein, c'est 11 nous célébrer la Vierge Marie sous vocable Notre-Dame de Lourdes et nous penser dans jour ça avec tout le monde qui malade yo, parce que nous connaît l'eau ça source de sainte PTA c'est facteur de guérison. C'est occasion pour plusieurs monde qui est malade guéri. Ah ben jour ça c'est jour pour tout le monde qui malade. Nous pensons avec eux et nous offrons au bon Dieu. Et tout le monde qui a dévotion à la Vierge Marie, peut-être sous le vocable Notre-Dame de Lourdes ou bien sous l'autre vocable, nous disons bonne fête. Donc la mère de Dieu, la Vierge Marie, est à l'œuvre. Elle ne cesse de se manifester à travers le monde pour dire à ses enfants qu'elle est bien là, qu'elle intercède, qu'elle continue à intercéder en leur faveur. Donc nous disons tout le monde qui a dévotion à la Vierge Marie, bonne fête. Tout le monde qui est malade, Dieu. C'est pour bon Dieu. Déverser en abondance par l'entremise de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, ses grâces en abondance. Et bien, nous allons terminer justement avec la prière que nous avons une occasion ça, pour Sainte Marie, sous vocable Notre-Dame de Lourdes. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, fais que par son intercession nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Bon Dieu, c'est héritage moi.